Bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. Donc suite à la vidéo que j'avais fait sur Captain Marvel, il se trouve que j'avais proposé une vidéo, pourquoi pas, sur Devil May Cry 5. Voilà. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, je viens de le finir. Voilà. Et m'achetez le putain! Et mais franchement, alors, déjà, si vous n'avez pas fait les anciens, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je peux le faire? Alors clairement. On est un peu dans le cas Kingdom Hearts, quoi. Là, c'est compliqué de faire celui-là si vous n'avez pas fait les autres. Par contre, ce qui est plus agréable que Cash, c'est que là, du coup, on a une vidéo de même pas 5 minutes qui nous rappelle tous les faits des anciens et qui nous donne aussi un ordre. Oui, parce que entre fans, et du coup, des fois, le 2, on sait pas où le placer. Voilà. Maintenant, on sait. C'est l'épisode. Enfin, c'est Devil May Cry 3, 1, 2 et 4. Et le 5 maintenant. Mais le 2, on savait pas où le placer avant. Enfin, on était plusieurs à pas être d'accord. Au moins là maintenant c'est clair, c'est eux, c'est Capcom qui l'a dit. Voilà. Et du coup, ce jeu, mais putain, mais. C'est du DMC quoi. Donc, on va tabasser du putain de démon pendant tout le long du jeu. À gros coups, hein, on y va, on se fait plaisir, on se déchaîne quoi, franchement, voilà. Sur de la putain de musique, voilà, c'est ça qu'on aime. Un bon son bien métal, bien. Voilà. Et puis voilà, on défonce tout. Enfin, alors là, par contre, la claque graphique, c'est. Je crois que. Parce que du coup, le DMC, c'était le DMC4, c'était. Il y a 14 ans. Oh putain, mais l'orgasme à chaque fois. Enfin, je spoil pas, donc voilà, mais. Il y a des moments, je vous jure, vous allez. Pouf! Voilà. Ça, c'est dit. Le scénario en lui-même est aussi putain de dingue. On a enfin des réponses qu'on attendait depuis 15 ans! Non mais vraiment, on a vraiment des réponses à des choses qui n'étaient pas dites clairement, déjà, ou qu'on pouvait juste imaginer pour fantasmer, quoi. Non non, franchement, et les combos, les armes, enfin. Toute la recette de ce qui fait d'un DMC, un bon DMC, est là, tout est réuni, et franchement, c'est. Je vais pas dire c'est le jeu de l'année, parce que clairement, c'est pas le jeu de l'année, hein, voilà. C'est un DMC, hein. C'est un jeu pour taper et pour se défouler et qu'on va faire dans des modes de difficulté, on va se violer nous-mêmes et on va continuer parce qu'on veut finir ce niveau. On va avoir des larmes de sang, on va. Ah, j'en ai marre de ce boss! Non, non, vraiment, enfin voilà, c'est pas le jeu de l'année non plus, mais putain, Après le 4, j'avais peur de ce qui allait nous sortir de ce cinquième opus. Et franchement, c'est la putain de bonne surprise quand même. Mais bon. Le jeu de l'année que j'attends le plus, c'est soit The Last of Us 2, soit Cyberpunk. Donc bon, on verra. Mais en attendant, c'est une putain de bonne surprise. Et franchement, pour ceux qui avaient un peu eu. Qui avaient peur par rapport à tout ce qu'ils avaient fait dernièrement, enfin avec le 4 surtout, sachez que là, non, vous pouvez y aller franchement les yeux fermés. C'est un putain de bébé. Et la mise en scène aussi pour les animations, mais tout, 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 tout. Enfin vraiment là on est vraiment. Voilà, moi j'ai même plus les mots que j'ai tellement passé. Je l'ai rushé. Enfin je l'ai rushé. J'ai pas rushé parce que j'en ai chié quand même à certains moments, hein? Qu'on se le dise quand même. Heureusement que les manettes sont sans fil sur la PS4, sinon je me serais pendu avec. Non mais vraiment, enfin, c'est clair que. Voilà, j'en sors là, je suis tout content. Et là j'ai qu'une envie, c'est y retourner avec le mode de difficulté plus puissant. Je vais encore me faire taper, même pas ça, mais j'aime ça quand même. Non, du coup, voilà, je sais pas. Si du coup vous l'avez fait ou si vous avez des questions spécifiques sur DMC, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. On se fera une joie de vous y répondre! Hein? Bande de petits démons! Allez!